Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christine et je suis maquilleuse. Je partage ma passion en étant créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc Instagram et YouTube. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner tout de suite et à me rejoindre dès que tu as 5 minutes sur Instagram. Sur ma chaîne, tu trouveras des vidéos tutoriels maquillage coloré, glamour, tu trouveras aussi des conseils professionnels de beauté et de maquillage, tu trouveras tout ce qu'il te faut en maquillage et en soins pour pouvoir prendre soin de ta peau, pour pouvoir te sublimer. Je pense que pour beaucoup de monde, vous serez surprise d'apprendre que j'aime énormément tout ce qui est mode, tout ce qui est défilé de mode, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Il y a des années, je m'étais abonnée à une chaîne sur le satellite qui s'appelait Fashion TV. Je passais mes journées entières et des semaines entières et des semaines et des semaines à regarder cette chaîne et j'aimais tellement ça, ça me nourrissait, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. J'ai regardé quelques vidéos sur des défilés de mode parce que je suis vraiment à la ramasse, ça fait longtemps que je n'en ai pas regardé. Et je suis tombée sur le défilé de Elizabeth Frenchy pour la collection automne-hiver 2020-2021, une collection qui est magnifique. Dans cette collection, on retrouve du nude, on retrouve du chair, on retrouve du rose gold, on retrouve de la paillette, du strass, on retrouve de l'élégant, du glam, du tiré à quatre épingles, tout ce qui me plaît et tout ce qui me parle. J'ai donc voulu m'inspirer de ce défilé pour pouvoir créer un maquillage. J'ai une petite idée sur ce que ça va donner, mais je peux vous avouer, là tout de suite, comme je le fais d'ailleurs tout le temps, que pour le moment, j'y vais à l'aveugle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc maquiller un seul œil, je vais voir ce que ça donne. Et une fois que j'aurai maquillé cet œil, je reviendrai vers vous et on fera ensemble le deuxième œil. La qualité et le temps que vous mettrez dans votre skincare se verra sur votre peau. C'est extrêmement important de prendre soin de sa peau, surtout quand on porte du maquillage régulièrement, voire tous les jours. Avant de vous maquiller, prenez le temps de vous laver le visage, d'appliquer des soins hydratants et ciblés, comme par exemple des toniques, des essences, des sérums, mais surtout pensez à appliquer votre crème hydratante qui vous permettra de nourrir votre peau en profondeur et de lui apporter un glow naturel qui va se voir à travers le maquillage. Je suis actuellement en train de filmer en fin de journée, j'ai fait ma skincare depuis plusieurs heures déjà, donc je ne vais pas me renettoyer le visage, refaire tous les soins du matin, etc. Mais je vais quand même appliquer une primer hydratante pour pouvoir aider ma peau à accepter le maquillage. J'ai décidé d'appliquer comme base la base vitaminée de la marque Bobbi Brown. C'est une base que j'aime beaucoup. Alors déjà, son parfum est super agréable, ça sent vraiment le propre. Mais surtout, c'est une base que j'aime beaucoup parce qu'elle est hyper hydratante. Elle vous donne un glow naturel sur votre peau. On a vraiment l'impression que vous avez une peau nourrie, enrichie et hydratée. J'aime beaucoup cette primer et ayant une peau sèche, je pense qu'elle me va très bien. Je vais donc l'appliquer au doigt et sur l'ensemble de mon visage. Je l'applique bien entendu avec des mains propres pour éviter de mettre des impuretés sur mon visage. Je vais maintenant appliquer une deuxième base sur mon visage, mais vraiment en couche légère. Pourquoi une deuxième base? Je choisis celle de Becca, qui est la base filtrante rétro-lumineuse. Je voudrais que mon teint soit quand même assez lumineux. Je veux voir du glow, je veux voir de la brillance, je veux voir du vivant. Je vais donc appliquer une seule pompe sur mon visage et vraiment à des points précis, comme par exemple les joues
Je vais aussi en appliquer un petit peu sur mon front. Alors, c'est une technique que je déconseille de faire aux peaux grasses. Si vous ne voulez pas briller à ce niveau, surtout ne venez pas mettre une base lumineuse sur le front parce que c'est le premier endroit qui va briller lorsque vous aurez posé votre maquillage. Et la dernière partie, je vais l'appliquer sur le menton en le faisant remonter. Pour ce qui est de la base pour les yeux, pour le fard à paupières, pour faire tenir votre maquillage sur les yeux toute la journée sans que ça puisse filer dans les plis de la peau, je vais utiliser celle de Tatcha. C'est une base, donc c'est la Silk Canvas. C'est une base que vous pouvez utiliser sur votre visage, sur votre bouche, mais aussi sur les yeux. Elle a été conçue pour cela, donc il n'y a pas de souci. Je viens en prendre en petite quantité et j'en applique sur les yeux. Pour celles qui me suivent sur Instagram ainsi que sur YouTube depuis un moment, vous savez que c'est une base que j'aime utiliser pour les yeux parce qu'elle va venir lisser votre peau, mais de façon jolie. Les fards à paupières vont glisser, vont s'estomper avec une facilité impressionnante. Ils tiennent et ils sont beaux. Le fard à paupières est beau parce que la base est merveilleuse. Pour ce qui est de mes sourcils, je vais venir les brosser vraiment en hauteur parce que je voudrais que le look de mes yeux soit étiré. Ensuite, je vais utiliser un feutre à sourcils de la marque Glossier qui est le Brow Flick et moi j'ai la teinte Brown. Ce que je vais faire avec ce feutre, c'est que je vais remplir les zones de mon sourcil qui sont complètement exempts de poils. J'utilise ensuite un deuxième feutre de la marque Anastasia Beverly Hills, c'est le Brow Pen en teinte Soft Brown. Et je vais venir juste dessiner des poils dans la queue de mon sourcil. Voilà les filles, j'ai maintenant fini de dessiner mes sourcils. Ils vont m'être très utiles parce que les sourcils vont me donner une limite dans mon visage ainsi que dans mon maquillage. C'est eux qui vont venir vraiment asseoir le make-up. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais venir maquiller le premier œil et une fois que c'est fait, ben je reviens. Oh, ça a mis moins de temps que prévu. Maintenant, passons au tutoriel. Je vais me munir d'un fard à paupières crème qui est proche de la couleur de ma peau. Vous pouvez prendre un fond de teint, vous pouvez prendre un fond de teint crémeux, vous pouvez prendre tout simplement un paint pot ou de ce type ou un gel eyeliner. Hein, vous prenez le produit que vous avez en votre possession. Moi, j'ai fait une petite mixture et j'ai réussi à sortir une couleur qui me convenait assez. Donc, j'applique cette couleur avec un pinceau estompeur et avec des poils synthétiques. Alors moi, ce que je veux avec mon sourcil, c'est un peu le lifter. Je veux pas qu'il soit rabaissé, je veux vraiment lifter mon œil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer sous mon sourcil, que ce soit un petit peu plus clair, et je vais utiliser un paint pot de MAC, le Laying Low. Alors j'en applique bien entendu principalement à l'endroit où je veux que mon sourcil soit lifté. J'estompe au doigt parce que je trouve que c'est la manière la plus rapide et facile pour estomper mon paint pot. Après vous faites comme vous le sentez. Je vais un petit peu lifter le reste du sourcil mais légèrement. Je n'aime pas trop cet effet très clair sous les sourcils. Donc je le fais légèrement. Je vais maintenant rapprocher mon objectif pour que vous puissiez mieux voir mes yeux. Je vais maintenant utiliser un pinceau fluffy. Je vais prendre ma palette. La couleur qui m'intéresse, c'est celle-ci. C'est un espèce de ocre, mais je trouve que sur les peaux noires, il est magnifique. Et je vais l'utiliser en tant que couleur de transition. Donc pour le moment, je l'imprègne dans la base crème que j'ai utilisée. Et ensuite, je vais estomper. Et maintenant, j'estompe.
Vous voyez, ça fait une transition légère, mais très jolie. J'utilise ensuite cette couleur chair ici, que je vais mettre en arcade sourcilière. Je vais ensuite prendre un marron chaud et je vais l'appliquer uniquement et je vais prendre un autre pinceau précision et je vais appliquer un fard à paupières qui est marron orangé. Il est très très beau, c'est un marron riche. Je vais venir l'appliquer sur le pinceau et je vais le presser sur mon œil. Avec le pinceau, vous voyez, c'est un pinceau qui est estompeur. En même temps, c'est un applicateur de fard à paupières et en même temps, il est pointu. Je vais l'utiliser, je vais estomper. Si vous n'avez pas ce type de pinceau avec vous, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Vous reprenez tout simplement le pinceau estompeur que vous aviez tout à l'heure pour appliquer votre couleur de transition. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau eyeliner pour pouvoir tracer le trait que vous voyez ici. Bien entendu, cette forme de make-up ne vous est pas inconnue, c'est quelque chose que l'on peut faire en cut crease, etc. Moi, je ne voulais pas vraiment le faire de cette manière et c'est comme ça que j'ai été inspirée. Donc, vous le ferez exactement de la manière dont vous vous sentez le mieux. Et j'utilise bien entendu un fard à paupières marron, donc celui qui est ici. Et je vais venir tracer tout simplement un trait. Comme ça. Je l'ai fait de façon assez brève et pas du tout précise. Ce n'est pas grave. Maintenant, je vais venir estomper ce trait. Et là, je vais prendre beaucoup de temps pour pouvoir estomper parce que je veux que ce soit un trait fumé. Et bien entendu, pour pouvoir étirer la peau de mon visage, je tire mon œil, je baisse les yeux et je hausse le sourcil. Maintenant que j'ai terminé d'estomper, je vais prendre un fard à paupières crème qui est plus clair que ma carnation. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous prenez un fond de teint. Je suis sûre que vous avez un fond de teint un peu trop clair ou sinon votre concealer tout simplement. Je vais prendre le Pan Pot de MAC qui est le Laying Low. Je vais prendre un goupillon. Je prends mon Pan Pot de MAC, je prélève un peu de matière, je l'applique sur le dos de ma main et je vais prendre mon goupillon, je vais passer mon goupillon sur ma main et je vais l'appliquer sur mes yeux en essayant de faire une forme d'eyeliner. Je vais ensuite laisser le fard à paupières sécher. C'est très important cette partie où le fard à paupières sèche parce que vous allez réappliquer derrière un fard à paupières blanc ou quelque chose de blanc. En attendant, je vais venir prendre mon recourbe-cils et je vais me recourber les cils. Vous avez une forte probabilité pour qu'il y ait du fard à paupières qui vienne transférer le recourbe-cils. Donc voilà, pas de panique, j'ai du fard à paupières qui est parti, je reprends mon goupillon. Pour celles qui ont de longs cils et qui ont la chance d'avoir de longs cils, vous pouvez appliquer votre mascara maintenant. Moi, ce n'est pas le cas. Je vais appliquer une base de mascara qui va me permettre d'allonger mes cils, de les fournir, de leur donner plus de volume. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de faire le dessous des yeux. Vous prenez une base à paupières crème ou un crayon kroll marron. Quelque chose de foncé, si vous le désirez noir, il n'y a pas de souci. Ce sera même beaucoup mieux. Moi, je vais prendre quelque chose de marron, donc c'est un stick de Kiko. Je vais l'appliquer en ras de cils. Je vais prendre mon pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué la base crème sur l'ensemble de la paupière. Et j'estompe. Je vais ensuite prendre un crayon noir crawl. Je vais appliquer ce crayon à l'intérieur de la muqueuse des yeux. Je vais ensuite me munir de mon pinceau crayon et je vais reprendre le marron très foncé avec lequel nous avons souligné notre eyeliner et je vais l'appliquer en ras de cils.
Je vais ensuite prendre mon pinceau applicateur de fard à paupières. Je vais prendre un peu de fard à paupières, celui que vous avez mis ici, le orangé marron, en tout cas celui que vous avez choisi. Et je vais l'appliquer en ras de cils pour estomper. Et maintenant que la base à paupières a séché, je vais pouvoir appliquer mon mascara. Nous allons maintenant continuer avec le goupillon, vous savez, les traces que nous faisons actuellement. Je vais prendre mon fard à paupières blanc. Si vous n'avez pas de fard à paupières blanc, vous prenez un rouge à lèvres blanc, vous prenez un mascara blanc comme la base à paupières que j'avais tout à l'heure, vous prenez quelque chose de blanc ou si vous avez même un eyeliner blanc. Moi, je vais prendre la couleur blanche que j'ai dans ma palette d'Anastasia Beverly Hills. Ce que je vais faire, c'est que je vais réchauffer la matière parce que les produits Anastasia Beverly sont très épais. Et je vais appliquer la couleur blanche. Je vais maintenant m'amuser à coller tous les strass, donc avance rapide, c'est parti. La dernière étape de ce maquillage, c'est de prendre votre pinceau eyeliner et d'utiliser le marron foncé que vous avez utilisé pour bien démarquer votre cut crease et vous allez l'allonger. Alors concernant mon sourcil, il y a quelque chose qui me dérange, c'est qu'il va venir casser la forme de mon maquillage. Donc on va essayer quelque chose, je vous promets rien. Si vous avez une forme de sourcil qui va plutôt vers la hauteur et vers l'extérieur, ne touche à rien. Moi, j'ai des sourcils qui sont très incurvés et qui tombent vers le bas. Je vais démaquiller cette partie. Ne serait-ce que là, quand on enlève une partie du stylo à sourcil, je trouve quand même qu'il y a déjà une différence au niveau de l'allure du maquillage. Je reprends mon feutre d'Anastasia Beverly Hills et je vais venir redessiner des poils, mais juste en hauteur pour imiter mon sourcil, mais qui n'est pas vraiment bon. On va essayer de tricher. Alors pour mon teint, je veux quelque chose de glowy, je veux quelque chose de doux-y, quelque chose qui respire et qui me donne envie de porter du maquillage. Je vais donc choisir des produits que vous connaissez déjà sur ma chaîne. Ce sont les Flawless Filters de Charlotte Tilbury. J'utilise le numéro 7 pour pouvoir faire le contour de mon visage. Et je vais utiliser le numéro 6 pour pouvoir faire le reste du visage. Je vais mettre un petit peu de produit dans mes cheveux, étant donné que je me suis rasé la tête, du coup je me suis coupé les cheveux, du coup on voit quand même que mon crâne est plus clair que le reste de mon visage. Et pour la couleur claire, je vais prendre tout ce qu'il y a sur mon bras et je vais l'appliquer grossièrement sur tout mon visage. Alors ce qui est bien avec ce produit, hein, j'ai déjà fait une revue là-dessus, c'est que ce sont des produits qui ne sont pas du tout teintés. Donc ils ne vont pas venir vraiment changer la couleur de votre peau, ce sont plutôt des crèmes lumineuses on va dire. Donc ce qu'il y a de cool avec ces produits là, c'est que même si vous vous trompez vraiment de teinte quand vous les achetez, il y a quand même moyen de pouvoir les utiliser. Et voilà, maintenant que j'ai un teint qui brille de mille feux littéralement, là je sens que je suis vraiment doughy glowy. Je vais laisser reposer peut-être 2-3 minutes et ensuite je vais appliquer mon fond de teint. Alors voilà les filles, j'ai laissé passer 2-3 minutes. Je vais maintenant appliquer mon fond de teint, le Born This Way en teinte chai. Alors lorsque vous appliquez votre fond de teint, n'oubliez pas que la partie que vous voulez couvrir le plus, c'est la partie que vous allez cibler en premier. Donc moi, la partie que je veux couvrir le plus, c'est le milieu, c'est le centre de mon visage. Donc j'applique toujours le fond de teint du centre vers l'extérieur. Je vais ensuite prendre mon éponge à maquillage et je vais estomper l'excédent qui n'a pas été absorbé par ma peau avec l'éponge.
Je viens d'appliquer sur mes yeux un illuminateur teinté de la marque Bobbi Brown. Ça se présente comme ceci, ce sont comme des concealers, mais ce sont des produits qui vont venir illuminer les zones que vous souhaitez illuminer tout simplement. Je vais venir le laisser sécher un petit peu et puis après je vais l'estomper au pinceau. Et voilà, vous pouvez constater que le contour des yeux est illuminé sans avoir mis de concealer. Donc vraiment, c'est un produit que je peux conseiller aux personnes qui le matin n'ont pas vraiment le temps de mettre du concealer, de l'estomper, etc. C'est un super produit qui peut être utilisé pour remplacer le concealer. On en met en petite touche aussi pour les jeunes filles qui souhaitent se maquiller et pour autant ne pas mettre trop de maquillage. C'est vraiment de très très bons produits. On n'en trouve pas souvent sur le marché des illuminateurs teintés. Et je trouve que celui de Bobbi Brown, franchement, il fait un job magnifique. Je vais maintenant venir appliquer un concealer de la marque Jouer. Ce sont des concealers qui sont quand même assez épais, assez couvrants. Donc je vais en mettre un tout petit peu, juste histoire de cacher mes cernes. Et là. J'en rajoute un petit peu sur le front parce que j'ai un petit front. Voilà, la distance entre mes sourcils et mon front est très courte. Donc j'ai un tout petit front. Donc je peux me permettre de rajouter un peu de lumière sur mon front. Je vais maintenant venir poudrer le contour de mes yeux et le reste de mon visage. Je vais utiliser ma poudre de Hourglass. J'utilise un petit pinceau de MAC. Je l'aime beaucoup ce pinceau pour poudrer le contour de mes yeux, c'est le 133. Il est vraiment très très bien parce que c'est un pinceau, on va dire, de précision pour le teint. Il va venir vraiment dans les zones dans lesquelles les autres pinceaux trop gros ne peuvent pas aller. Pour le reste de mon teint, je vais utiliser une poudre translucide de Too Faced. C'est celle-ci, c'est la Born This Way. Je l'aime beaucoup cette poudre, elle est très très volatile. Pourtant, elle va venir vraiment fixer le maquillage. Pour mon glow, je vais utiliser un highlighter que j'aime particulièrement. Je choisis particulièrement cet highlighter parce qu'il a un fini, mouillé sur la peau. Il est très très beau, c'est un très bel highlighter. Alors la teinte est un peu claire quand on la voit comme ça dans le pan, mais elle convient très bien à toutes les carnations. Ensuite, je vais utiliser une poudre de contouring. Je vais vraiment essayer de couper ma joue. Ça va être un peu compliqué. Mais je vais utiliser la poudre de contouring de Visart. Donc, c'est tout simplement la palette lumière et définition. Je vais prendre cette teinte ici, de la racine de mes cheveux, au creux de ma joue. Donc voilà, je vous conseille vraiment de partir de la racine des cheveux quand vous faites votre contouring, ça fera quelque chose de beaucoup plus naturel. Vous allez ensuite dans le creux, dans l'ossature de votre joue, c'est à cet endroit-là qu'il faut rajouter l'ombre et ensuite vous estomper. Ce qui fera vraiment la différence, c'est le bronzer. Le bronzer, vous allez en prendre en petite touche bien entendu, vous allez vraiment l'appliquer au niveau de du bombé de votre joue, vous allez le faire en mouvement circulaire et vous allez le faire remonter un tout petit peu au niveau de la racine, au niveau de votre contouring en fait. Donc là j'en ai mis un peu trop, il va falloir que je corrige ça. Alors je voudrais rester dans le look très nude, très classique, très somptueux et glamour du défilé de mode. Donc je vais appliquer sur mes lèvres un concealer pour pouvoir faire une bouche extrêmement nude et simple.
veux maintenant utiliser une petite touche de Cork, le crayon très connu de MAC. Et pour terminer sur mes lèvres très nude, je vais appliquer un peu de gloss. Vous savez. Alors j'aime beaucoup le côté mat et très nude de mes lèvres, mais je vais quand même rajouter une touche de gloss. J'utilise le Infinity Glass de Linda Alberg. J'ai décidé dans ce maquillage de ne pas mettre de blush pour pouvoir laisser mon teint assez, comment dire, monochrome, entre guillemets. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne veux pas non plus rajouter trop de couleurs. Je veux vraiment rester dans l'ambiance du défilé de mode. Donc voilà, j'ai décidé de rester avec un haut nude, avec des lèvres nude, avec un maquillage assez nude, mais pourtant qui va venir rappeler tout le scintillant des robes et tout du défilé. Et en même temps, le côté très nude et soft et glam, mais pourtant sophistiqué. J'aime trop, trop ce défilé. Et voilà les filles, ce tutoriel maquillage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, sincèrement. Je me suis vraiment éclatée à faire ce make-up. C'est un make-up que j'ai dessiné sur mon téléphone le jour où j'ai regardé le défilé dans mon salon. Et je me suis dit qu'un jour je le ferais, sauf que j'avais oublié. Et puis en faisant un peu de tri dans mes photos, j'ai retrouvé ce petit dessin et je me suis dit il faut absolument que je le fasse en vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et j'aime énormément m'inspirer des défilés pour pouvoir faire des maquillages. Donc j'espère qu'il vous plaira et j'espère qu'il va vous inspirer. Alors dites-moi tout ça en barre de commentaires et je serai ravie de vous lire et bien entendu de vous répondre. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi et de m'avoir regardé. Ne partez pas sans vous abonner, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me montre votre soutien mais aussi ça me permet d'être toujours aussi reconnue et vue sur le gros monde infernal de YouTube. Du coup, je vais vous laisser pour faire le petit shooting et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les filles!